Ok. Bon bah on est reparti hein. Et donc là on a laissé Lev là-haut. Il est là-haut. Faut qu'on arrive à s'infiltrer dans cet hôpital là qui est contrôlé par par l'escar du coup mais. Enfin je crois hein, ouais. Commande. Oh non. Je peux pas monter? Oh shoot. Oh shoot. No way. On va pas passer là-dedans. On va pas passer dans la lumière. Oh non. Y'a quelqu'un dans l'eau. Je suis une wolf. Tirez pas. Ah, ok. C'est moi, Abby. Ok, ok. C'est Abby. Ok, c'est bien Abby, les WLF, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouvre le portail. Everything fine. Tout va bien. C'est vrai que c'est un hôpital contrôlé par les WLF. Salut les gars. Ah ben, je t'ai venu à la nage. Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora ? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Ah purée, Nora ! Elle est partie depuis dernier chargement, mais va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer de nouvelles recrues ? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Putain, Dani. Il a de la chance, les Scar le trouveront d'abord. Quel putain de traître. Salut les gars. Ah, il parle d'Owen. Abby, t'es au courant pour Dani? J'ai entendu des rumeurs. Vous les répétez pas, j'espère? Non, pas du tout. Bien. Continuez comme ça. Oh. Of course not. Rumeur, quelle rumeur? Qu'est-ce qui te prend de parler de ça? Oh, salut Grizzly. Oh. On peut venir jusqu'ici aussi. T'es un bon chien. Je crois que lui, bonjour. On l'a pas. Abby, salut. Lui, on l'a pas. Non, hein. Je crois pas. Hein. Le dernier bateau est parti. Je répète, le dernier bateau est parti. À quelle heure? Si, si, tu l'as. Oh non! Non! Non, 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 on l'a pas. Si, si, non, bah non. Je crois pas, hein. Non, non. Si, si, quoi? On lui a lancé la... Ah oui, oui, on lui a lancé la balle. Si, vous si, avez si, pas oui, encore du fini? Coup, oui, oui, si, si, oui, non, oui. On procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh. Bonne chance. Je crois que c'est le seul chien que t'as pas tué. Oh. Oh purée. Fuck. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi. Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont. Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Oh, tu mince. Pars avec le prochain chargement. Désolé. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a disparu depuis hier. Oh non. Donne-moi tes mains. Non.
ça, c'est... ça, ça craint de fou. Oh. Mais du coup, on laisse Lev et on laisse Yara. Hey, détachez-moi, putain! Oh, arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Yara. Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Ah, du coup, ouais. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... Ouais, c'est infecté. Ça va être difficile, ouais, tu sais. Oui. On sait. Je m'en sortirai. On sait. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. J'aurais... Elle a dit ça va être difficile. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé? Non. Laura? Vous allez où tous les deux? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va? Comme d'hab. Anis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Une seconde. Y'a personne. Ok. Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ah, ils ont nice. Ils ont mis les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Trouve les ambulances. Oh non. Normalement, elles sont équipées. J'ai déjà trouvé du matos. Bonne idée. Quoi? Ouais, franchement, Nora, giga bro. C'est quoi que ta vie soit longue et ta mort soit rapide? Ah, oh no, wait. Wait. Ah oui. Merci Samosam pour le sub jusqu'à décembre. Merci beaucoup. Que ta vie soit longue. Que ma mort soit rapide. Ouais, toi aussi. On se retrouve à la base. Allez. Bientôt, j'espère. À plus. Adieu. Oh non. Nora, elle a rien respecté dans le dicton. Dans le dicton. Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. Après, on n'a pas beaucoup de... Ouais, on n'a pas beaucoup de mu, non.
falloir looter, hein. Gros looter. Putain. Oh, une tête qui a roulé. Ok. Jake, je suis pas sûre de pouvoir rentrer à la maison. Je donnerais n'importe quoi pour être avec Suzy et toi en ce moment. Je me cache avec quelques collègues, la porte est barricadée et ses saletés sont de l'autre côté. La situation était plus grave qu'on le pensait. Juste que quelqu'un vienne nous sortir de là. Du moins pas avant qu'il soit trop tard. J'espère que cette lettre finira par te parvenir et que Suzy et toi ne m'oublierez pas. Je vous aime plus que tout. Scott. Merde. Ils savaient pas à quoi ils étaient confrontés. Ouais. Alors, en termes de soins, on est bien. En termes de tuyaux explosifs, on n'est pas trop mal. On a des surins, on en a que 3. T'es une pro de la furtivité. Ouais, ça doit être ça. Oh, par contre, là, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un. Oh non, 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 la lampe! J'aurais bien aimé être avec quelqu'un. Je m'attendais à pire. Oh non, non, non. Abby. T'es naïve quand même. J'ai l'impression que ça va être l'enfer. Est-ce qu'on peut sauter ici? Non, on va pas le faire tout de suite. C'est bloqué. Ça aurait été trop facile. Bon, la traumato ou la chirurgie. Oh maman, j'ai peur. Merci Yanao pour les 11 mois d'abonnement, merci beaucoup. Vraiment y retourner aujourd'hui? À chaque fois, la moitié des squads y restent. On a perdu le labo, ils devraient laisser tomber. Ah, et désolé de faire passer des petits mots comme au collège, mais je veux pas que les soldats nous entendent. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ils nous font pas sortir? Ils n'arrêtent pas de dire qu'on procédera à l'évac quand ils seront sûrs que le bâtiment est sous contrôle. Est-ce qu'ils ont vu ou entendu ce qui se passe en bas? C'est du délire, c'est pas une question de contrôle. Je crois qu'ils veulent juste protéger les données des recherches. On doit sortir d'ici. Nos amis sont peut-être encore en vie. Tu as vu de quoi ces choses sont capables? Personne n'a pu survivre pas aussi longtemps. Désolé, mais ils sont morts. Qu'est-ce que tu proposes? Scott pourrait s'occuper des soldats et n'en peut... Scott pourrait s'occuper des soldats et n'en peut plus. Faut lui en parler et trouver un moyen de sortir. On attend encore un jour pour voir ce que valent les nouveaux soldats. Un jour et on y va. Merci. J'aurais pas aimé être dans le coin quand tout a commencé. Shit. Des boiles! Ok, on est pas mal avec le shotgun. On peut reconfectionner des bombes comme ça. Comme ça, on le récupère. Ok. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Bonjour. Les urgences. Le service traumato doit être par là. Il ne reste plus que moi. Toute mon escouade est morte. On a sécurisé presque toutes les portes, mais certaines étaient hors de portée en raison de la force incroyable des patients infectés. On n'avait pas prévu une telle résistance. Je les pensais malades et faibles. Je ne m'attendais pas à les voir massacrer mes hommes. J'ai été mordu aux bras et aux jambes. Je vais abattre encore quelques-uns de ces enfoirés et quand je serai à court de balles, j'irai rejoindre mon unité. Si vous trouvez cette note, sachez que vous devrez
Envoyez plus d'hommes pour sécuriser la zone. Ceci dit, j'espère que vous serez assez malin pour faire sauter tout ce merdier au lieu d'essayer de le contrôler. Bonne chance, tas de cons. Yo, dames. Vous avez fait votre possible. Ouais, j'avoue, c'est pas bonne chose. C'est pas bon signe quand on te file ma spécialisation. Ça fait 3 zones que je loot, pas un seul zombie. Danger, vous entrez dans une zone surveillée. Les intrus seront abattus à vue, sans sommation. Ok. On va se barder, hein. C'est là que le cluster commence. Ouais. Ouais. Bordel de merde. Ok, là, ça fait beaucoup. Ouais, je m'attendais à peu près à ça, ouais. Pas déçu. Pas déçu pour le moment. J'ai trop peur. Non. Alors tout, mais pas ça. Le son est bon sur le stream ou pas? Ça va, non? Je pense que vous m'auriez dit autrement. Là, je suis comme partagée entre je loot ou je le speedrun le truc. Oh non. Non, appuie pas sur le bouton. Ok. Faut remettre le courant. Ah ouais, oui, bah oui, forcément. Oh mama. Oh mama. Allez, trouve quelque chose. Nada. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Quelque chose ou quelqu'un. Oh. Punaise, j'avais pas vu ça. Il aurait pu me sauter dessus. Oh non, ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On est d'accord que ça, ça se réveille à tout moment, non? Oh non, l'horreur. Mais tous ces trucs-là, ils vont se réveiller, c'est sûr. Oh non. Non. Madame, monsieur, vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Je sais que de nombreuses personnes sont malades. Mais me jeter ici et me séparer de ma femme est inacceptable. Voilà des heures que je suis sans nouvelles. Le médecin a appliqué une pommade sur ma morsure et a disparu. J'ai mal et j'ai l'impression que ça empire. Merci de remettre ce message immédiatement à votre supérieur. Cordialement, Don Carter. Je me suis réveillée affamée mais je ne peux rien avaler. Pas même de l'eau. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Les cris à l'extérieur n'y arrangent rien. Pourquoi m'avoir enfermée ici? Faut que je voie quelqu'un. Je veux voir Sacha, ma femme me manque.
Sacha a l'aide mal à penser, à peine à écrire, dort pas trop fin, doit sortir, fin mal aux yeux. Bouah. Bordel, dans quoi j'ai atterri. Je sais pas, mais... Ce qui est sûr, c'est que je n'ouvre jamais cette porte. Celle-là, là. Jamais. Never. Oh, jamais. Je crois que je vais garder mon lance-flamme pour les gros. Chirurgie, nickel. Attends. Oh non. Ça y est, ça commence. Je t'ai entendu. Oh, puis il y a lui aussi, là. Oh non. Non. Fais pas de bruit. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Oh, la seconde où j'allume le générateur, ça part en... Oh non. J'aurais dû m'y attendre. Oh, je m'y attendais, mais je savais, je suis juste nulle. Oh my gosh. Non, j'ai changé d'avis. Ah ouais, mais non, sinon elle va mourir. Bon, bah j'ai pas changé d'avis alors. On y va, mais j'ai quand même pas envie de le faire. Punaise. Attends, on va vraiment lire un truc là? Bon, d'accord. Docteur Kayla Higashi. Steven, je peux pas continuer comme ça. Je sais que je suis juste censée faire les tests et saisir les données, mais je suis pas équipée pour gérer toute cette douleur. J'ai escorté des soldats en traumato, j'étais pas censée être là-bas. J'ai vu ce que deviennent les patients. Tous les adultes et enfants qui arrivent ici avec une morsure ou une égratignure vont devenir fous. Et on continue de leur mentir. J'ai demandé à partir, mais on m'a dit qu'il fallait que je continue mon travail. Ils m'ont sorti le couplet sur la sécurité nationale. Ils m'ont proposé un bureau pour que je puisse dormir un peu. Steven, tu dois me faire sortir d'ici, je vais craquer. Putain. Et j'ai l'impression qu'il rôde toujours dans le coin. Oui, j'ai 100... Ok, d'accord, j'ai 30 millions de simulants. Mince, j'aurais dû confectionner plus de surins. Alors, on peut faire des cartouches incendiaires. On va faire ça maintenant. Munition spéciale pour le fusil à pompe qui enflamme une zone étendue. Confectionne 2 cartouches. Je veux pas... Et si je veux pas... Ok. Mince, attendez, c'est quoi? Ok. Changer de munitions. Voilà, on va prendre les munitions normales, on va pas s'enflammer tout de suite. Petit jeu de mots. Punaise. Et où le générateur? D'accord. Oh non. L'Ève aurait pas été trop ici. Mani. Ouais, je suis bien d'accord. Mani, si seulement Mani était là. Oh, je suis bien d'accord. En vrai, c'est le pire moment du jeu et on me laisse toute seule. Pff, feel sad. Ok, alors...
Qu'est-ce que je peux améliorer là? Je sais pas trop. Ok. Oh, il y a des gens qui ouvrent des portes là. Laissez la grosse pour améliorer la stabilité de l'arme. Rafale de tir. Ça, c'est un peu à double tranchant parce que du coup, tirer 3 balles, on roule pas sous les munitions non plus. Hein. Je sais pas quoi améliorer. Fusil à pompe, on a déjà tout mis. Peut-être je vais améliorer la capacité du pistolet déjà. Capacité du magasin. Ok. Stabilité cadence de tir. Coucou Bzou! Je suis rentrée! Ça va? Bzou, ça va pas du tout. Moi, ça va pas du tout. Ce passage, il est horrible. Il est horrible. Ça vaut pas. Ça vaut pas? Ça vaut pas toi ou ça vaut pour moi? Ok. Oh purée. Oh punaise. Oh générateur. Il est là. Oh oh oh! Je fais, je stresse, j'active. On n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix. Don't have the choice. Oh non, non, non. Ah, il y a un petit trou là, on peut. Au pire, on active, on se cache de. Ah non, on peut pas. Super. Le plaisir. La fatigance. Oh. Ok. Bon, bah, c'est parti. Essayons ça. En vrai, on y va petit à petit par petit à petit. Une porte par une porte. On n'est pas obligé de hein. On n'est pas obligé de. C'est pas non plus. Oh, c'est la lumière. Je peux activer la lumière. Oh oui. Oh, the light. Quoique. C'est presque mieux. En vrai c'est un peu mieux. Vium. Non, hein. Non, pas Vium. Oh, je suis pas bien là. Purée. T'es avec leur tête de chou-fleur là. Punaise. Ah non, attendez. Hop. Oh non, elle va passer là quand même. Oh non, 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 non. Hein. Très discret. Oh non, 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 non
quoi là. Ya. Ah, par contre, on a pas beaucoup de surin. Oh là. Oh non, 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 non. Oh. Bonjour. En vrai, on va quoi? On va là, là. Là, c'est bien, là. Là, c'est très bien, là. Utiliser deux. Oh, lui aussi, lui. Est-ce que je peux le tuer avant qu'il me tue? J'en ai marre de ces conneries. T'as entendu? J'en ai marre. Je pense qu'on va tenter le pré-shot. Ouais, à la prochaine. Oupinez. Oupinez. Attendez, mais là du coup je peux réaugmenter mes trucs. Et puis on a beaucoup de piles. Waouh. Voyons ce qu'il y a ici. Oh. C'est pas vrai. C'était sûr. Faites que je trouve une ambulance sur le parking. Quel parking? On va aller à un parking? Oh non. Moi j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Non, c'est faux. Mais dans chacun, en général. En général, les parkings, c'est pas fou. Oh, merci beaucoup. Merci Shannon is Live pour le raid. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à toutes et tous, hello. Merci beaucoup pour le raid. On est sur The Last of Us 2, environ à 60-70% du jeu. Je préfère vous prévenir si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler. On est dans un endroit assez... En plus, on est dans un endroit assez flippant. Ça fait très peur. Bienvenue. Oui, je suis dans l'hôpital. Bienvenue, everyone. Ah, mais on a une... C'est l'actrice de doublage. Mais non, trop cool. Beaucoup trop bien. Attendez, je suis en train de lire le chat, là. J'essaye de suivre. Hello, friends. Bonjour. Mais trop stylé. Merci beaucoup. Trop gentil, merci. Oh là là, mais c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Revenir sur un stream à faire en venant d'un stream anglais, si rare. Mais non, mais c'est fou, merci. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très gentil d'amener cette belle commu par ici. Sur un live qui est certainement moins chill que là où vous étiez avant. Et bah merci beaucoup à toi Brit, c'est super sympa. Vraiment hyper honorée, merci énormément. Alors du coup, sur,
sur ce moment très sympathique. Je préfère vous prévenir que je risque de crier dans les secondes qui viennent. Il y a peut-être un ou deux cris qui vont partir dans les prochaines secondes. Wonderful acting. Dude, it's so amazing. Thank you so much. L'hôpital. Écoutez, je me sens pas sereine. En effet. On m'avait dit que ce serait un pur moment de... pas cool. Et je comprends pourquoi. Enfin, on m'avait dit, c'est Nora dans le jeu qui a dit Abby, fais gaffe, ce sera difficile. Et du coup, je... Oh non ! Oh ! Oh, vous voyez ce que je vois ? Non, 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 non ! Non, 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 non ! La porte a été fermée là, non? J'ai envie de mourir. J'ai envie de canner. On est d'accord, la porte a été fermée. Oh fuck. Ok. Oh non. Non, non. Je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Le lance-flamme. Ok, c'est bon. Lance-flamme. Lance-flamme ready. Oh shit. Ok, de toute façon... De toute façon, c'est... Bordel. C'est quoi, c'est vivant, ça? Non mais je rentre pas là-dedans. Attendez, il y a un trou, ça? Ah non, d'accord, c'est pas... Faut pas que j'y rentre. Ok, non, non, c'est bon. Oh shit. Non, ça va pas du tout. Ok, donc il est parti par là. Mais c'est bien parce que du coup il laisse des traces. C'est bien. On peut suivre. On suit. C'est pas très convivial. Oh, ça dégouline de partout. Oh non. C'est quoi ce bordel? Oh, j'ai... Baissez votre volume. C'est mieux parce que là, si je crie, ça va partir direct, je vous le dis. Oh non, c'est trop. Non, non, non. Oh, panique pas. Pour le bateau, c'est tire-toi. Oh non. Non, non, non. Ok. Oh, ça, oui, non, ça, alors, c'est un gros chat si c'est un chat. Oh, je marche à deux à l'heure. M'en fous. Peut-être que ça va pas me sauver la vie d'ailleurs. Les affaires. Oh non, là ça fait très alien. Alien Isolation. Oh, tu sais pas où il est le truc, mais il est là. Il est là, hein. On sait. Ah, il s'est appuyé contre le mur là. Il a fait une petite pause. Petite pause. Ok. Et là, il est... Ouais. Oh non, mais on va pas aller par là. On va pas... Oh shit. Non, mais au pire, on lui coupe son bras, non? Enfin bon... Non, mais là, je réfléchis. Là, je réfléchis. Là.
Là, on retourne, on rentre. Et on coupe le bras à Yara, non? Tout cramé pour repartir sur des basses scènes. À la Kaamelott. Oui, bingo. Oula, non, 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 pas bingo. Punaise. Oh, punaise. Tout va bien. Non, 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 tout va pas bien. Oh, non. Oh, non, 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 hein. Ne dites pas que c'est vide. On a gagné le jackpot. Oui. On va plus qu'à rentrer, c'est bon. Mais alors attendez, moi je pensais que ma meilleure arme c'était le lance-flamme, pas du tout. C'est nul. Oh my gosh. Oh, oh non. C'est pas où je suis, non? Nerveux, je rigole de... C'est les nerfs. Ah ouais, on peut pas... Ok, on peut pas fufu. Faut que j'arrête de crier comme ça, je vais réveiller le quartier. Ils vont dire, oula, il y a quelqu'un qui se fait assassiner dans cette maison. Ok, pas là, très bien, qu'est-ce que tu fais? Ok, on l'attend là. Il va ouvrir et ensuite on repart. Comment ça, il ouvre pas? Bonjour! Bonjour! Thank you.
Au secours! Oh non, il est immonde. Oh non, oh non, oh non, non, oh non, non, non. On nous emmerde. Ah on fuit très loin. Je passe un très mauvais moment. Sachez-le, je passe un très mauvais moment. Oh non, non, non! C'est pas rigolo. Non! JPP, je suis désolée. Oh, je vous avais prévenu, hein. Ça allait arriver. Oh. Oh non. Oh, j'ai couru. J'ai couru fort. Oh mon dieu, je transpire. Je sens que je transpire. Ça save, là. Hein. Dites-moi que ça save. Sauvegarder. Je suis désolée pour les cris. Maintenant que c'est passé, je peux vous dire que je suis désolée. Oh non non non! Il est encore là lui. Plus jamais. Plus jamais. Le stress m'avait tellement... Mais alors, en général, j'ai de la chance parce que les scènes horribles comme ça, je fais rarement de jeux d'horreur pour ces raisons-là. Mais les scènes où vraiment, genre, je stresse à mort et où c'est très dur, je pense que c'est l'adrénaline. Mais je l'ai réussi pas en 40 fois, quoi. Je pense, genre, ma tête est en mode, il faut que tu réussisses, sinon... Sinon, c'est la crise cardiaque. Genre là, si tu le fais pas sous les 5 fois, c'est la crise cardiaque. Du coup, tu vois. C'est impressionnant, mais c'est pas... Ouais, en fait, faut juste courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer, ouais. Juste. Ah non, c'était horrible. C'est vraiment le passage le plus horrible. No joke, hein.
c'est l'instinct de survie en jeu. Pas du tout. Non, je pense que... crier fait que je cours plus vite. Quand tu cries, tu cours plus vite, en fait. Astuce. Je peux peut-être aller là-bas. Ah oui, non, mais ça, je sais. Je suis en train de looter, là. Laissez-moi le temps de m'en remettre. Au secours. Et on lui donne quel nom à celui-là de démon? Bah, je sais pas, les autres, on les appelle les claqueurs, on les appelle les bonhommes chou-fleurs. Celui-là, je sais pas, hein. Lui, il avait pas une tête de légume, hein. Il avait une tête de légume, peut-être, mais une tête de gros légumes. Le Rat King... Ah bah écoutez, c'est parfait. Si, si je vois que c'est assez unanime... Hic ! Pourquoi il s'enfuit? Il m'amène à ses potes? Un potiron. Ah, c'est mignon, le potiron. Ça contraste bien avec l'aspect absolument immonde de la bête. Le potiron. Le potimarron. Le Rat King. Il s'appelle Rat King, du coup. Pourquoi Rat King? Il ressemblait à un rat. J'avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe. Le roi des rats. Rat King. Ça suffit! Rocky Balboa. Je vais te battre. Oh, il me regarde. Je sais pas pourquoi je voulais le frapper. C'est vrai que c'est immonde comme endroit. On est d'accord. Mélange à cause de leur queue emmêlée. Ah, le nom du zombie vient de ce principe. Ok. Intéressant, intéressant. En effet, c'était un peu un entremêlement de matière plus ou moins organique, bizarre, humaine, on sait pas trop. Punaise, attends. Ok. Ok. Personne ne croira jamais un truc pareil. Oh.
Hawaï. Ok, alors on a assez de pilules pour reconfectionner un autre truc, donc ça on est à fond. Confectionner des kits médicaux plus efficaces. Ah, c'est pas mal ça. Oh, confection de munitions de chasse. De munitions de pistolets de chasse. Non, ce passage, il est assez... assez horrible. Assez horrible. Oui, c'est vrai, sans mettre, t'as raison. J'espère qu'Yara tient le coup. Ok. J'espère aussi, hein, parce que si on a fait tout ça et que ça marche pas, je vais être un peu dégoûtée. Hein. Oh, le monde extérieur! Oh oui! Oh, j'ai jamais été aussi heureuse d'être... Ah, je me sens soulagée. Ils sont tous à ta recherche. T'as fait quoi au juste ? Rien du tout. Je t'avais dit de pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut ? Bébou ! Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Hey. Le bateau ! Viens, suis-moi. Oh. Gosh, we did it. On l'a fait. Séraphide, ça se trouve, ça vient du nom de la nana. Ça me dit un truc. Salut Alice. Salut. Alice. Caresse-la. Vas-y. Ah oui, ça vient plutôt de Séraphin en fait, oui, vous avez raison. Genre les anges, ouais. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. Alice, ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Oui, on dirait. Salut toi. Des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Purée. Je vais voir comment elle va. Oh là là. Ok.
Je demande qu'une chose, que le Dogo ne meure pas. Prière veut... pas exaucé. En fait, oui, non, il s'appelle les Séraphites. C'est pour ça que j'avais pas fait le lien direct. C'est pas j'ai dit Séraphine ? Séraphite ? Je sais plus. Oh... Comment elle s'appelle ? Séraphite ? Je sais plus. Séraphite. Oh non. C'était quand ça ? J'adore comment ils nous font retourner en arrière, notamment. Tu sais que t'es en mode flashback au vu de sa musculature. C'est trop bien, c'est trop bien pensé. Ça tresse, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Très bien fait. Seattle, jour 3. Ok. Owen ? Yakma. Qu'est-ce que tu fais debout ? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent ? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ah ouais ? Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi ? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant ? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'entiche de deux scars ? Rien à voir avec Owen ? Pas vrai ? J'ai fait des erreurs, je le T'es reconnais. T'es une ordure, Abby. Tu l'as toujours été. Ouf. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses. Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Ça va ? Ça va, ton bras ? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lève, s'est calmé. Ça ira. Tu
veux bien m'aider à le chercher. Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Eh ben... dur, dur. Hein. Merci Guardlink pour le Prime, merci beaucoup. Merci Little Cherim pour les 14 mois encore. Et merci Cocktail pour les 6 mois. Et Chafouin, merci pour les 9 mois. Lève ! Welcome back. Lève ! Reviens, s'il te plaît ! Pourquoi Lève veut pas aller à Santa Barbara ? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter ? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère ? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Ah super. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose ? Pour l'aider ? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lève. Lève ! Lève ! Je suis désolée ! Lève, viens ici ! Lève ! Lève ! Lève ! Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Je sais pas comment te remercier. C'est pas la peine. Tout ça, je l'ai fait pour moi. Tu as entendu ? Lève ! T'es là-dedans ? Oh la vache ! Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Oh. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi ? Bibou. Elle te fera pas de mal. Bibou. Tiens, regarde. Ya ! Va chercher, ma belle. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Ya ! Oui, t'es rapide. Tu veux essayer ? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein ? Non, pas de danger. Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. Ça fait mal au cœur quand même. Hop, dans la cage. Ah non. On devrait continuer de le chercher. Bibou. Psst. Pas la caresser ? On veut pas que je lui vole son jouet. Oh, merci beaucoup. Merci. Ça va pas la tête. Merci pour les 10 subs offerts. C'est très gentil. Bienvenue tout le monde. Viblang, Elfic, Tavislo, Ertul, Torkri, Maxon, Psycho, Trippy, Colonel Saucisse et Miwashaki. Welcome, friends. Merci beaucoup. Ça va pas la tête. C'est gentil. Bienvenue toutes et tous.
Lève ! Pourquoi il fait ça ? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère ? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler Lily. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. What the fuck ? Ah, le plaisir, ouais. C'est où, Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Merci Tepena pour les la net sub. Merci beaucoup. Thank you. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Un t-shirt baleine. Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Du merch. Ça, c'est mignon. T'as trouvé quelque chose ? Non. Non. Continue à chercher. Trop bien. Pi-pi-ri-pi-pi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver ?
Oh. Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Oh. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Ouais, d'accord. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler ? Je te rejoins. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Ah, tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu? Oh non. Lev! Reviens ici! Lev! Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Oh non. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais. En commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Ah. Adieu. À plus jamais. Au revoir. Voilà la marina. Tu te sens bien ? Ça va. Que ta vie soit longue et ta mort soit... Ah ouais, non, en fait, non, rien. Et Wolf utilise cet endroit ? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Ça l'ambiance. Oh. C'est trop loin. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Pauvre Alice, de fou. Bah, les pauvres, quoi, tout court. Hein. Même Mel et Owen, en soi. Fais gaffe. Je ne porte pas Mel dans mon cœur, mais la pauvre. Évidemment. Comment on fait ? Feels bad. Un village sans se faire tuer. Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres ? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis ? Non. C'est une vraie quête de mieux. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais.
essaye de prendre le genre d'elle. En même temps, c'est sa mère. Mais ça, elle s'en contrefiche. Oh, nice. Alors, au niveau des pilules, on en a que 16. On ne pourra rien faire. C'est par là. Je peux comprendre les réactions de Mal aussi. Oui, puis elle a pas tort dans un sens où... Ils ont quand même couché ensemble, quoi. Elle le sait pas, hein. Donc, en soi... Son copain était quand même prêt à partir avec Abby à Santa Barbara. Il l'a laissé là. On va quand même... Voilà, quoi. Bonne ambiance. Bye bye. Allez, c'est bon, vas-y. On peut passer par là. Viens. De l'autre côté, là-bas. Faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Yara. J'aime trop cette relation qui s'est créée entre Abby, Yara et Lev. Trop contente. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essayé deux fois d'étirer aujourd'hui. Je te conseillerais bien d'emmener le chalutier plus au large. Là où il est fort, tu risques de rendre plusieurs fois ton déjeuner, mais c'est mieux que de se faire buter par un sniper Scar. Il faudrait se battre pour récupérer les closeries. On cherche les ennuis à s'aventurer aussi loin en territoire des Scar. Isaac a perdu la boule ou quoi? Peut-être qu'à la fin de ce service, on devrait se demander à se faire réaffecter. Plutôt éplucher toutes les patates du monde plutôt que de me retrouver à nouveau coincé ici. Je t'en prie, fais attention. On se revoit au bercail. Kent. Clap. Reste sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Comment j'y vais encore toute seule, okay. Oh non. Merci Iria pour les 5 mois d'abonnement, merci beaucoup.
Oh shit. Non, lève. Oh, t'es Mali ? Pourquoi t'es là ? What ? T'es venu seul ? Ouais. Merde. Shit. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Les canaux, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. Oh, Mali. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canaux. Maintenant ! Pourquoi ? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Allez ! Planque-toi ! Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles ? Par ici. Si. Oui. Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Par ici. Yo-yo. Eddie, eh. Cuidado ! On peut pas continuer par la rue. Merde. Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Le chariot tombe en morceaux ! Faut y aller ! Allez, allez! Putain, il est doué. Sans déconner, c'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Mani. C'est des bouteilles de gaz. A priori, non. Oh là 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 là, comment ça ? Bordel ! Oh non, il y a les zombies. Ils les attirent vers nous. Prépare-toi. Tiens, dans ta gueule ! Les 35 mois, kikou. T'as fini ? T'as déjà fini ? Abby ! Oh non.
commence. Protège-moi, Manny. Manny. Oh, c'est... Merci Manny. French touch, puta madre. Oh, yaya yaya. Oh non. Non mais je suis en train de mourir. Oh non, salut Manny. Non, ça se passe mal. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Ça se passe très 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 mal. Oh oh. Ça passe très très mal. Ça se passe très mal. Ami, par ici. Putain, j'avais pas vu qu'il y a un trou. Oh là 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 là. Vas-y. C'est où ? Il peut pas être loin. À terre ! Et merde ! On peut pas lui tirer dessus, là ? Oh, la vache ! Il est juste là ! Allez, 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 allez ! Surtout, t'arrêtes pas ! Merde, attention ! Baisse-toi ! C'est foutu, Pendejo! Il faut du soin là. Il faut du soin. Manny. Tant pis. On va. Non.
dégoûte. Zappé qu'il était là, lui. Mais non. Abby. Holy crap. Ouais. Et toi? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Tommy. Oh là là. Merde. C'est pas important. On retrouve l'air et on rentre. Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes qu'il était balèze, le mec. On prendra le bateau. Ah ouais, c'était pas... Ok. Ça fait deux jours que tu lui cours après. En tant qu'ami, bah non. En tant qu'ami, on c'est pas pour Tommy. Enfin, on lui court après si, entre guillemets, indirectement. Oh la vache, j'avais complètement zappé. Ouais, du coup, ouais. Ah ouais, Tommy. Bateau de Lev. Il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. Ouais. Mettre fin à la guerre en tuant tout le monde, oh. Is ok. Va réussir à monter. Ça passe. C'est le plus rapide. Ouais, on y va, on les défonce et c'est bon, la guerre est finie. Merci Coupa Mobile pour les 4 mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est ok. Ça lui passe. C'est vrai que le jeu est très fort. Hein. Bah, y en a qui prennent vraiment parti, qui préfèrent Abby ou Ellie. J'avoue que moi, des deux côtés... Oh purée, j'ai un moment j'ai cru que c'était peut-être... Oh non, oh. Dimanche 5h, Scott et moi avons débarqué sur la côte est vers 3h. Les renseignements des détenus se sont révélés utiles pour une fois. Aucune résistance directe. À la recherche d'un point élevé pour nous repérer. 7h30. Plus grande concentration de structures du côté sud, ferme au nord et à l'est, et ce qui semble être un camp de bûcherons. Les plus petits amas de structures parsèment l'île. Tout en bois, post-épidémie. Ces tarés font pas les choses à moitié pour s'isoler du continent. Prévoyons de nous rapprocher lors de l'un de leurs villages.
10h15, attendons la tombée de la nuit dans une vieille bâtisse au centre de l'île. Les Scars n'ont pas encore rasé et reconstruit ce secteur. Potentiellement un bon point de rendez-vous. 21h, ils sont effroyablement nombreux. Ça dépasse de loin ce qu'on imaginait. Village fortifié, patrouille fréquente et bien régulée. Avons recueilli plus d'informations que prévu. Rebrons son chemin. Lundi 4h. De retour au point de débarquement, avant de trouver notre bateau s'aborder dans l'océan, complètement détruit. Ils savent que nous sommes là. Nous devons trouver un autre moyen de quitter l'île. Abby, pourquoi est-ce que tu nous aides ? C'est mal fini, visiblement. Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Ouais, moi je suis un peu pareil que certains d'entre vous, en mode... J'ai pas de préférence, enfin des deux côtés... L'histoire est juste prenante, je trouve, des deux côtés, ouais. Oh non. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. On va passer par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Et combien de soldats? La moitié d'entre nous est en train de tomber. Et que fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer? Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Ouais, tout sur leur motivation, leur mauvaise et bonne raison, bah c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Merci Ukiette pour le Prime, merci beaucoup. Merci. Tu es trop stylé. Oh, c'est bon. C'est magnifique. Ici. Ils sont allés se battre. Marcus, distribue le gibier comme suit. Filet mignon, Cassie, ancien Duncan. Faux filet, jarret rond, ancienne Constance. Carré couvert, Walter. Ses récoltes méritent une récompense. Watrinko, Tarper et sa famille. L'ancien Duncan veut la récompenser pour avoir mené la descente sur le complexe Wolf le mois dernier. Et Paul reste enseignante Lyra et sa famille. En outre, Auguste nous a réclamé la peau. Il nous a promis qu'en échange, il demanderait à Ezra de nous forger de nouveaux couteaux à désosser. Veille à ce qu'ils tiennent parole. Donne les bois à celui ou celle qui les mérite le plus, selon toi. Puisse-t-elle te guider, Lucien. Puis là, j'avais oublié que j'avais l'arbalète, let's go. Donc ça, on a ce qu'il faut. Ah. Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis ? Un truc que mon père disait souvent. Grimper là-haut. Lumière ami, la puce. Merci. C'est trop cool qu'il nous fasse qu'il y ait une partie du lore sur le camp des séraphies. Purée, mais à chaque fois j'ai du mal à me souvenir du nom séraphie. Séraphin, séraphie, c'est ça. C'est vraiment trop bien. Justement, j'étais curieuse de savoir comment est-ce qu'il vivait. Prenez toutes les armes que vous trouverez. Des fusils, des arcs, n'importe quoi.
Viens porter-les dans l'abri! Vite! C'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la scierie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Parfait. Viens. Fermez le portail! Verrouillez le camp! Vide ton esprit. La nuit promet d'être longue. N'oublie pas, c'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Je ne suis pas prête. Sur notre gauche. Pour le bien de ton peuple et de ta terre, tu le sauras. Quand le moment sera venu. Ton heure est venue. Voilà. J'ai décidé. Elle est où ma flèche? Oh shit. Oh shit. Oh shit, 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 shit.
non. Oh non. J'ai tué l'ennemi. Oh non, Ben. Et Ben, il est pas mort aussi. Oh non! Oh non! La discrétion! Oh la violence du truc! Qu'est-ce qui se passe là? Oh oh! Eva! Bon, voilà, à un moment donné, bon. Oh non, mais je voulais le faire en sneaky! Ok. Je crois que c'est bon. Oh, c'était dingue. On se rapproche. Ouais, on a tué tout le monde, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Ça m'embête. J'ai fail. Suis-moi. Par là. Merci Kiwi le Kiwi. Kiwi le Kiwi. Merci pour l'abonnement Prime, merci beaucoup. Regarde. Putain de merde. Puisse-t-elle nous protéger? Yara, il faut y aller. Isaac, qu'est-ce que tu fous? Baisse-toi. C'était limite. Par où maintenant? On va passer par le chalet, droit devant. Yara, au camp des bûcherons. Où est-ce qu'ils emmenaient les enfants? On a des abris un peu partout. Si jamais ça tourne mal, ils leur feront quitter l'île. Tant mieux. On savait que ça arriverait. Ouais. Prends ce qu'il te faut, on s'en va. Ok. Ah, oula. Benjamin, tout va bien. Jared, la brigade de chasse est partie dans le territoire des Wolves. Rien d'autre à l'horizon. Célia, tout va bien, elle nous protège. Thomas, la démolition du bâtiment dans la vieille ville a causé beaucoup de bruit et de poussière, mais aucun signe d'activité des Wolves sur cette rive. Rien d'autre à signaler, puisse-t-elle nous guider. Marie, bateau isolé des Wolves repéré sur le canal, mais je n'ai pas donné l'alerte. Et envoyer le jeune Maxwell informer les anciens, puisse-t-elle nous guider. Peter, tout va bien. Symbole séraphite. Benjamin, j'ai un visuel de la brigade de chasse qui revient. Les fermiers ont commencé l'incendie contrôlé de la forêt. Nuages à l'horizon, puisse-t-elle nous protéger.
Tout va bien, Célia, brune aujourd'hui, visibilité acceptable, les bateaux de pêche sont rentrés tôt, rien d'autre à l'horizon. Thomas, des wolves, un groupe de bateaux en approche par la rive S, je donne l'alerte, puisse-t-elle nous protéger. Nous sommes des êtres imparfaits et ainsi nous nous rendons imparfaits à ses yeux. Tels sont les enseignements, telles sont les paroles des anciens. Et les entailles de mes joues me piquent toujours, 2 semaines après la cérémonie. Eva m'a dit que les siennes aussi, mais elle m'a conseillé de ne laisser transparaître aucune faiblesse devant les anciens. Surprise, cette nuit, Eva a fait le mur pour me rejoindre à la tannerie où je faisais le ménage. Elle m'a dit que sa brigade partait demain en territoire Wolf. J'ai bien vu qu'elle avait peur. Alors on est resté assis un moment à regarder le feu. Elle m'a demandé si j'étais déjà en promesse. Avant que j'aie pu répondre, elle m'a embrassé la joue et s'est éclipsée dans les bois. À cet instant, j'ai oublié où j'étais et tous mes tracas sont envolés. La brigade d'Evan n'est pas encore revenue. J'ai fait un tour au dîner communal à Haven pour me changer les idées, mais en vain. L'ambiance était anormalement calme, en dehors du sermon habituel de l'ancien Duncan. Quoique là aussi, j'ai senti une différence. Il nous a dit, bien que notre prophétesse nous guide pour purger les démons et rétablir l'équilibre du monde, nous n'en cueillerons peut-être pas les fruits de notre vivant. C'est une lutte éternelle. Tout cela me donne beaucoup à réfléchir. Comment les vidéos ? On se remet bien. Damn. Il y a masse truc là. Il y a ceux qui partent. Au revoir. Bye bye. Améliorer ça. Est-ce que je mettrais pas une lunette x4 dessus? Tester. Allez. Merci Grumbalder pour le Prime aussi. Merci beaucoup. Thank you. Ok, let's go. Notre village est de l'autre côté de ces champs. Je suis en difficulté normale, là, ouais. Où est-ce qu'on part? Tu vois la grande tour? La Space Needle? Quoi? Ouais, je la vois. On va par là-bas. Qu'est-ce qu'on dit sur le nombre de wolves? Des dizaines et des dizaines. Comment ça a pu arriver? Ça n'a plus d'importance. Tiens-toi prêt.
avec le man. J'avoue que là, je suis un peu surprise. J'ai pas assez de liquide. On améliore ça. T'inquiète pour rien. Les wolves n'ont pas pu arriver aussi loin dans les terres. Puissent-elles nous protéger? Elle ne saura jamais du coup. Un peu tendu là. Merci Bekaway, merci beaucoup pour le Prime et merci à Diboul, merci pour les 2 mois. Thank you. Oh, s'ils ont trouvé le corps, shit. Fufu, vous pouvez pas me tirer dessus. C'est Fufu.
arrêter! Oh non! Oh non, pas elle! Sur ta gauche! Trop stylé le move. Trop stylé. T'as aucune chance. Je t'aurai. Te voilà. Oh non. Allez, mais je sais pas baiser. Non mais bouge pas! Non! Voilà. Oh putain. C'était chaud. À gauche! À droite! En haut! En bas! C'est horrible! Mais quand je stresse, je mets tout à côté. Quand je stresse pas aussi d'ailleurs. Bon bah on aurait pu réussir une belle run fufu, mais dommage. Non mais puis de toute façon on n'a pas le temps, faut qu'on aille sauver l'Ève. On n'a pas le time. Cette fin est là. Ah oui, l'Ève. Bah oui. On l'avait oublié lui presque. Par ici. Oh, nice. Fufu. C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Oh mince. La pauvre. Par là. Des cochons. On y est. Bonjour toi. Abby, viens m'aider. Coucou. Oh, j'arrive. Je suis sûre qu'il y en a dans le chat qui ont essayé de leur tirer dessus pour voir des cochons. Oui, des petits cochons. Cette année là. J'aime bien les gens qui me répondent premier degré. Ce sont des brebis. Oh Dieu merci. Oh mince. C'est elle qui a fait ça. J'ai juste essayé de lui parler. Ce sont des moutons. Ce sont des chevaux d'ailleurs. J'ai essayé de lui faire comprendre. Mais elle n'arrêtait pas de crier. Oh là là. Et puis elle s'est jetée sur moi. J'ai essayé de l'arrêter. Bébé beau. Je me poussais pour l'éloigner de moi. Elle s'est cognée sur la table. Écoute-moi, Kara. Tu t'es défendue et c'est tout. Oh. Tu n'as rien fait de mal. Tout va bien se passer, je te le promets. Fuck. C'était sûr. Tu es beau. Elle l'avait prévu, hein. J'aurais...
J'aurais jamais dû. T'en fais pas. Je suis contente qu'on t'ait retrouvé. Oh là là. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Des wolves? Ils ont envahi l'île. Ça va aller. Elle nous protège. On devrait pas aller chercher le bateau? Non. J'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu partout. Il y a plein de bateaux, Evan. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. On a sauvé l'Ève, au moins. C'est loin, Evan. C'est pas tout près, mais c'est notre meilleure chance. Continue à nous suivre. Ok, allez-y. Au niveau de matrixage, pour que la mère ait envie de tuer son propre enfant... Oh ouais, mais... Ouais, quoi. Ils sont tous partis combattre les wolves. Ouais. Attendez. Comment va ton bras? Ça va. Je suis juste fatiguée. Lara, maman avait vraiment la foi. Je sais. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Mais la foi nous aide à trouver la force de surmonter ces épreuves. Et Mickey? Maintenant, on doit se battre contre les WLF et les SCAR en même temps. Super. Super. Une tortue. Ah, c'était pas une tortue. Hein. Ah non. Ah bah. Est-ce qu'on peut les éviter, ces types? Ah bah ouais. Ça non. Hein. On prend un autre chemin. Oh, ah ouais non mais là c'est Splinter Cell. Là il faut. Là les gars faut pas tirer sur personne en mode. On est discret. J'arrive. J'arrive. Au revoir à ceux qui partent, au revoir. On y va.
Un peu la jambe. Il reste Wolf dans le coin. J'en sais rien. Avance, c'est tout. J'avoue que... J'avoue qu'en vrai... Après, on est quand même pas mal. Sauver la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il n'est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. Oh non. 1. Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Non! Putain de merde! Oh tu es là! On doit y aller. Elle est morte. C'est pas vrai, elle est morte. Bébé. Lève, allez. C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe. Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Oh. Ok. D'accord. Suis-moi. C'est trop pour mon petit cœur ce jeu-là, c'est quoi ça? C'est... Prévenez quand quelqu'un va mourir comme ça, je sais pas, c'est... J'ai tout ce qu'il me faut. Mettez un message d'avertissement, un truc. Avertissement, il va se passer une dinguerie. C'est tout le temps ça dans ce jeu, tu marches, tu gambades. Comme une petite chèvre. Et tout d'un coup, tout le monde meurt. The fuck. Non mais c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. A plus LVV, bonne nuit. Oh boy. Abby. Ouvre-toi, Abby. On en finit. Comment ça trouver? Oh non, je suis un poisson. Aïe! Ah! Pourquoi tu t'échappes? Elle me fiche! Elle me fiche! On refait. Abby !
était. Ok. Les effus dirigés par là. Oh non. Oh, j'en ai eu deux d'un coup là, non? Merde! Non, mais je sais pas viser! Enfin, Abby, c'est pas visé. Moi, je sais viser, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... He's gay. Abby ? Merde ! Je sais pas. Attends, y'a un mec là! Merde! J'ai loupé! J'ai loupé! C'est bon. Ok. J'en ai plus. Confilez ! Ils doivent pas être loin. Hein ? C'est eux. Viens, on va voir. Je te couvre. Bon, le fufu, c'était pas trop ça, mais je crois qu'on avait pas le choix. Je monte la garde.
Là, on n'avait pas trop le choix. Vamos. Ah ouais, elle a quand même tué ses anciens potes, quoi. On peut la traverser. C'est encore loin d'ici, Evan. En même temps, on n'a pas le choix, quoi. C'était eux ou nous. Lev, baisse l'échelle pour moi. Circling the name. Viens. Bon, ça donne quoi? Ok. Nickel. Qu'est-ce qui nous manque? Pardon. Ça, on a juste plus assez de... Par ici. Holy crap. Oh, c'est pas vrai. C'est Evan? Ouais. Ce qu'il en reste. Oh. Lev, ils sont où les bateaux? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ouais. Pas question qu'on crève sur cette île. D'accord. J'hésite à m'arrêter. Allez, à m'arrêter là. Je pense que c'est comme le nouveau début de, comme le début d'un chapitre. J'hésite à m'arrêter ici parce qu'il, bon, il est tôt entre guillemets, mais il est quand même tard un peu. Rendez-vous sur cette vision. Voilà. Merci Grumpy Gandalf, thank you so much for the sub. Tard un peu. Un chouïa. Il faut encore 30 minutes, vous pensez? Bon allez. On continue alors. Oh, je suis sûre que je suis en train de me faire bait à 2h du mat, on n'a pas fini le chapitre. Ça saoule. Oh mince. Oh punaise. T'en as pour 2h. Et si dans 20 minutes c'est pas fini, j'arrête dans 20 minutes. Par où on va? Faut suivre les points en pierre. Ok. Allez. Suivre quoi? Non mais là vous êtes mignons, mais comment? Attends.
C'est pas celle, c'est une grosse sœur. Ah ouais? Exterminez-les! Oh non. Pas capté. I did not captured. Attends. Oh. Mes flèches. Deux secondes, je récupère des flèches. Des carreaux. I'm coming back. I'm going back. Que je dois rentrer là-dedans. For fuck's sake. Ok. Pourquoi ils se battent plus? Oh putain, j'allais tirer sur le cheval. Là, ici. Oh là, mais trop fort. La brebis, oui, j'ai dit... Non, mais je me suis trompée, j'ai dit le cheval. Oupsi. C'est bon, c'est fini? Je vois personne.
Reste sur tes gardes. Abby, j'ai une idée. Ah oui. And what is it? On n'a qu'à prendre ce cheval. Lève, allez. Oh, really? Plus ou moins. Accroche-toi. Ya! Baisse-toi. Abby, sur la nuit. Continue à me guider. Là, devant. C'est parti. Prépare-toi. Dégage! Oh, c'est la guerre! Fais que passer! Fais que passer! Je veux pas. Oui, oui, je passe en fufu. Enfin, vite fait. Il s'arrête ici, Wolf. Infidèle. Bah, je tire si j'ai besoin de tirer, mais c'est. Je vais pas tuer tout le monde non plus. Enfin, cette balle là. Oh. Au revoir. Je peux passer par là. Bouge pas! Mais j'ai dit bouge pas! Tu ne peux pas être tranquille, infidèle! Bouge pas!
non, 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 non. Ça va finir par s'effondrer. Je sais. Le feu se propage partout.
Lève, lève-toi. Allons nous abriter de la pluie. Bon les amis, ouais. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je dirais de stopper ici. Ah bah voilà, parfait. Merci Little Cana pour les 15 mois d'abonnement, merci beaucoup. Et danse avec Abby. Bon, et eh ben dis donc. Oh là là, chaque session est de plus en plus what the heck. Que la précédente. On va s'arrêter là. Oui. Ça continue demain soir. Bah, je pense que demain soir, on va faire l'inverse de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Je pense qu'on va chanter et ensuite faire The Last of Us. Je sais pas trop, parce que normalement, le dimanche, on fait The Last of Us. Karaoké. C'est n'importe quoi. Donc, je sais pas trop. Merci Dodger Akam pour les 4 mois d'abonnement. Merci Aiden pour les 10 mois. Merci beaucoup. Thank you, guys. Ah, mais demain, c'est samedi. Mais oui, mais j'ai un problème, moi. Depuis tout à l'heure, je dis que demain, c'est dimanche. Depuis le début du stream, j'ai l'impression qu'on est samedi. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Mais du coup, demain, non, puisque Escape Game IKEA, alors. C'est vrai que nous n'avons pas fait l'Escape Game IKEA. Tu m'as fait douter. Ah non, mais ça fait toute la journée, j'ai eu ça. En allumant le stream tout à l'heure, pareil, j'ai dit demain, 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 alors que non, c'était dimanche. Mais toute la journée, j'ai eu ça, pareil, avec PV, ce matin, je lui disais demain, demain, mais... J'ai dit demain, j'ai karaoké. J'ai dit, ah mais non, j'ai pas karaoké demain. À l'aide. Demain, une fois que la journée de demain sera passée, ce sera bon. Ça ira. Oui, c'est vrai que techniquement, on est samedi. It's true. Demain, c'est à 18h l'escape game. Demain, 18h l'escape game sur... avec Ikea. Oh, mais il y a des fois où... Mais ça vous arrive jamais, genre. Des fois, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on a un jour et je bloque dessus. Bon, quoi qu'il arrive, demain, bah non, du coup. Demain, parce que l'escape game, je sais pas combien de temps ça dure et je sais pas à quelle heure ça finit. Mais ça commence à 18h. Alors, à part si vraiment je suis de retour chez moi pas très tard, mais ça m'étonnerait en vrai. Ça m'étonnerait. Merci 100 mètres, merci beaucoup, bonne nuit. Attendez, du coup je pense que ça a sauvegardé, retour du principal, oui.